là, on a mangé tout le décata. Famille, j'espère qu'on entend bien parce qu'il y a eu du vent et tout, mais je pense avec les pops obligés vous allez entendre. Mais c'était quelque chose, c'est incroyable. Salut les gars, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation. Donc je pense que vous avez compris au titre. Donc la RS7, je vais pas trop parler les gars, regardez directement. Donc la RS7 qui on avait déjà filmé quand j'allais dire d'origine, mais elle était même pas d'origine. On l'avait filmé quand elle était en stage 2, 750 chevaux. Et elle était rouge. Ouais, elle était rouge. Et maintenant, ce que tu as changé en plus, c'est un covering. Le covering, ouais. Avec des paillettes en or. Donc on le voit ici avec le reflet, vous le voyez. Donc c'est du noir satin, paillettes en or. Et en gros, au soleil, ça ressort. Au soleil, ça ressort. Ouais. C'est juste ça que tu as changé en esthétique. Esthétique, ouais, juste ça. Et c'est... Après, une autre prépa moteur. Ça, c'est. Tu sais, hein. Ça, c'est la guerre. Mais on va quand même repasser par les points pour ceux qui n'ont pas encore vu l'autre vidéo. Ici, vous connaissez carbone. En gros, il y a tout qui est carbone. Il a tout mis carbone, lui. Je cherche à comprendre. Ça aussi, t'as changé. C'était pas d'origine. Ouais, ça, c'est pas d'origine. J'ai rajouté par moi. Carbone. Déjà ça avant. Ah, ok. Ouais, ouais. Avant, dans l'autre vidéo. Ouais. Puis, si les gens étaient en noir aussi sur l'autre vidéo, on l'avait. Je l'ai rabaissé un peu de 2 cm. De l'arrière aussi. L'arrière, à l'avant, partout. Mais c'est vrai qu'elle a. Oh. Elle fait peur. Elle est colossale. Non, non, ouais, ouais, elle fait peur. Ici, donc, la baguette en bas. Carbone. Rétro carbone. Ça, j'ai changé. Ah ouais, c'était pas en carbone avant. Non, non, j'ai mis en carbone. Ici, on t'a rien changé, hein. C'était donc les jantes noires. Là, vous connaissez le carbone. Et voilà, je vais vous la montrer de l'avant. Elle fait peur. Donc là, elle sort combien de chevaux? Là, elle sort 902 chevaux. Grosse tic, c'est incroyable. Là, je m'arrête comme ça pour que vous voyez bien les détails, parce qu'on voit bien la lumière et tout. 900 chevaux, c'est quand même incroyable. Sachant qu'avant, elle avait 750, d'origine 600, c'est ça? 600, ouais. D'origine 600 chevaux. En gros, c'était pas assez. Ouais, ça, 750, ouais. C'était quoi? C'était un stage 2. Stage 2. Et là, c'est considéré comme? C'est considéré comme un stage 4. Donc, il y a les turbos qui ont été changés. Ouais. Une admission, les injecteurs. Ah oh, ouais. Tout ça fait par les... Ouais, je viens de voir. BTM Turbo. Et alors vous connaissez Racing Gun. À cause de cette voiture, elle a fait tilter tout le monde. Juste si on peut ouvrir le capot, comme ça on va vous montrer. Donc d'ailleurs la couleur d'origine c'était ça, hein, pour ouais. Ceux qui savaient pas. Enfin ceux qui n'avaient pas vu l'autre vidéo. Mais la vérité, moi je la trouvais très très belle en rouge. En rouge, mais après en noir satin, les détails ressortent plus. Ouais, là ça change. Donc voilà. Red BTM Turbo. Donc en gros tu m'as dit il y a l'admission. Ouais, il y a l'admission ici. Il y a deux cachés. Ouais, sinon c'est pas visible, il faut ouvrir c'est et tout. Visible, donc admission, les turbos que tu as changé, les deux. Ouais, les deux turbos. Les deux et injecteurs alors. Les gars, je vais vous mettre la fiche, de toute façon il va me l'envoyer avec la courbe, etc. Donc 902 tu m'as dit exactement. Les Newton, tu sais plus. Newton mètre, c'est la même chose, c'est 1113 ou 1115, un truc comme ça. Mais je crois plus. Ouais, sinon. C'est quoi, pour la boîte ou quoi ça craint? Pas pour la boîte, mais c'est pour le Benz ici en Belgique. Mais non, en fait, il est pas très très bien, tu vois. Ouais, c'est ça qui est dommage. Et ouais. C'est ça qui est dommage. 102 octane comme en Allemagne. Ouais. Plus, mais... Bah les gars, s'il y a quelqu'un qui a une station d'essence, mettez du sang, comme ça il passe à 1000 chevaux. Grosse tout là, on les a chauffés. Donc ici, carbone. Ça aussi, c'était déjà là. Hein. Ouais, c'était carbone, donc les gars, on va vous montrer. De toute façon, vous connaissez que le plus intéressant, c'est après, c'est à la conduite pour vous montrer les différences. On t'a juste monté pour le. Ah ouais, le volant aussi a été changé. Donc, vous voyez quand même le volant. C'est gros quand même, hein. La prise en main, ouais. Ici, donc la console carbone, aussi carbone. Vous avez le carbone qui continue. Là, c'est pareil. Non, pote, elle est incroyable. Donc là, Drive Select, vous connaissez, hein, c'est le bouton donc pour mettre. FNC, confort, auto, dynamique. Après, vous avez RS1, RS2 que vous pouvez aussi changer ici.
Donc ici, pour changer, il y a l'affichage qui change aussi. Et ça aussi, c'est toi qui as paramétré dans tous les cas. Ça, tu peux personnaliser toi-même. Donc RS1, je sais pas, toi c'est RS1, quel RS1, c'est en mode, on va dire chill, tu vois. Ouais. RS2, il y a tout qui est en stock. RS2, c'est la guerre. Ouais, RS2, donc là, je démarre en RS2. Ouais. T'as vu les lumières aussi qui s'allument. Donc là, c'est clapet ouvert et tout. Là, normalement, c'est... Attends, on rentrera plus une fois. J'ai senti l'odeur de l'échappement. Ah ouais. La MIF, c'est incroyable. Attends, je vais donner 2-3 petits coups. Et en neutre, il y a des pops aussi. Quand tu mets en mode confort, il n'y a pas de pops. Ouais. Mais quand tu mets en là, mode RS2. Confort, il y a des petits pops. J'ai diminué les pops. Oh. Ouais, on entend un peu. Je vais te laisser faire parce que c'est trop impressionnant. En confort et truc. Ouais, vas-y. Ça, on a la différence. Ça c'est confort en gros. Là. Là c'est incroyable. On va vite y aller. Comme ça, il n'y a pas de soucis. Voilà, donc là de l'intérieur, on est en confort. Ouais, on est en confort. La confort, on n'entend rien. Donc clapet. De toute façon, en confort, ça se ferme automatiquement et tout ça. Hein. Ouais, ouais, en confort, les clapets sont fermés. Si vous connaissez les gars, vous avez l'Apple CarPlay. En gros, c'est toutes les nouvelles interfaces qu'il y a dans les dernières Audi. Sièges chauffants, etc. Vous pouvez gérer les sièges et tout. En tout cas, c'est là comme ça, tu te dis, je suis dans une A7 normale. Tu vois. Mis à part le carbone et tout, on a compris que c'est prépa. On sait que c'est la guerre quand tu vois le volant et tout. Quand tu vois le freinage aussi. Freinage aussi. Non, gros, c'est un vrai délire. Là, c'est choquant. Là, en fait, tu vois du carbone ici. Là, là, là. En vérité, t'aurais dû faire tout carbone. Toute la carrosserie et tout. Ouais, imagine. Tu m'avais dit, t'as changé. T'as aussi la boîte, elle a été reprogrammée. Ouais. Une reprogrammation, la boîte. Elle a été, ouais, étudiée différemment pour que pour qu'elle ça puisse encaisser mieux. Ouais. Obligé. Et alors, aussi par rapport à la vidéo qu'on avait faite, au niveau de la ligne, il y a eu quoi comme changement? La ligne, ben, ouais. La Biltec. C'est une ligne complète. Ouais. Biltec Race Exhaust. Avec Downpipe D4, Biltec aussi, suppression de filtre à particules. Ouais. C'est full straight, quoi. Donc il y a juste les deux petits silencieux à l'arrière. Sinon, le reste, c'est du full tube. Même les silencieux à l'arrière, il y a moyen de les retirer, genre. Tu peux les retirer, ouais. Mais c'est trop. Hein. C'est trop. Non, là, c'est quand même incroyable. Donc là, on vous fait le petit essai confort. Dans tous les cas, là, on va aller dans un petit coin pour vous montrer un peu où c'est plus tranquille. Le mode dynamique, mais. Tu comptes encore changer des trucs là ici? Non, maintenant il est fini. Eh les gars, c'est 900 chevaux quand même. Hein. 900 chevaux, je sais pas si vous arrivez à réaliser. Hein. Et ce qu'on voit, c'est quoi le poids? C'est au-dessus de 2 tonnes, non? C'est sur le graphique, tu vas voir, il y a le poids de la voiture, c'est ouais. 2 tonnes 300, un truc comme ça. C'est incroyable. Hein. C'est lourd. Après, t'as la position aussi, le Quattro. Là, les places, vous connaissez. Chris. Il est bien, là, vraiment. Non, c'est une vraie machine. C'est une vraie machine. Et genre même avec les 900 chevaux, le quattro il tient toujours. Directement après la maison à la droite, la petite rue là. Ici c'est première. Ici. Si ouais. Ici si. Okay. Elle tient la route, mais après si c'est sec, tu vois. Quand c'est sec, zen. Ouais. Mais quand il pleut ou un truc comme ça, elle ne tient pas la route. Ouais. Elle glisse beaucoup. Ouais. Mais en soi, quand il fait sec, tu vois, après, elle tient bien là. Oh les gars, on va voir ça tout de suite. Donc là en gros. Je pense que vous avez compris du bruit. RS2, là c'est la guerre, là c'est bon. Non, là c'est la guerre. Vas-y, ta vieille a tué devant toi. La voiture elle m'a soulevé, je suis quasi debout. Hein. Gros, c'est quoi cette bombe? Cette bombe, c'est incroyable. Attends, je vais descendre. Fais des petits pops. De toute façon, il y a des petits kikis ouais, aussi. Les gars, c'est incroyable. C'est quoi ça? C'est
incroyable. Oh, c'est quoi? À la vue, pour ça, faut mettre des gemmes et partager. Et 2000 gemmes, il fait 1000 chevaux. Non, je rigole. Non, les gars, c'est quand même incroyable. Hein. C'est un vrai délire. Hein. En plus de ça, je l'avais déjà filmé donc avant. Mais pour vous dire, je sais pas. Le bruit reste quand même choquant. C'est un truc où. Je sais pas comment vous expliquer. Tu sais que mon cœur il balle. Hein. Je te jure, très. Tu te rappelles, dans un rasso, il y avait une golf qui avait les trucs. Comment on appelle ça? L'anti-lag là. Ouais, anti-lag. Gros, ça me fait le même effet. Hein. Genre, t'as l'impression que ton corps de l'intérieur va. Vas-y, quoi, avance. Frère, vas-y. Les gars, vous connaissez RS Eagle, donc je mettrai quand même son Instagram. Partez voir la prépa. Déjà, la première vidéo qu'on avait fait, qu'elle va s'afficher tout de suite à l'écran, c'était 750 chevaux. Là, il a passé à 900 chevaux, donc c'est considéré pour, comme un stage 4. Et là, c'est pour ça que je compte sur vous, les gars. Après la vidéo de la M4 de 850 chevaux, vous connaissez. Là, 900 chevaux, je crois qu'on a explosé les scores de la chaîne. Là, c'est incroyable. Moi, j'étais écrasé de A à Z. Là, je vais lui demander qu'il se met là au niveau du tunnel. Ah, les gars, regardez. Comme ça, personne ne me casse la tête, il n'y a personne autour. Hein. Donc, on est là dans le tunnel, tranquillement. Au-dessus, il y a une autoroute, on ne dérange personne. Quel tuning! Ah les gars, je crois que c'est la vidéo la plus... Oh, c'est celle qui m'a le plus choqué. En tout cas, voilà la famille. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, un maximum de j'aime. Je mettrai donc l'Instagram du frérot, donc RSingle. Je pense que dans tous les cas, je pense que tout le monde le connaît. Avec la config. Chris, merci à toi. Plaisir. Cette journée tuning, on avait filmé aussi la M850i avec lui justement, vous pouvez aller voir la vidéo, elle va s'afficher tout de suite comme ça, vous pouvez voir tranquillement. Les gars, pour ceux qui veulent présenter leur voiture, venez me voir sur mon Insta Bruxelles Spot. Et voilà la famille, merci à tous, on se retrouve à la prochaine. Ciao les gars.